Aujourd'hui, on a quitté la maison pour aller à Saint-Louis. On va passer le week-end. Papa nous a amené manger un fruit qu'on n'a encore jamais goûté. On voulait découvrir la suite. Merci. Ouais, tu mets ton doigt, tu perces avec ton doigt et tu bois. Perce ici avec ton doigt. Vas-y, allez, viens à boire. On perce avec le doigt et on boit. C'est comment? Après, on met le doigt pour enlever la nourriture dedans. Oh. Attention. Il faut boire l'eau d'abord avant d'enlever. Avant que tu perces l'autre. Mais je ne veux pas ça. Tu fais comme ça et tu manges. C'est très bon. Non, goûte d'abord. Voilà, tu as vu, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. On dirait du coco. Hein? On dirait du coco. On dirait du coco. Coco. Ange, est-ce que tu as aimé ce qu'on a mangé? J'ai pas trop aimé. Pourquoi? J'aime pas trop la chair. C'était quel fruit on a mangé? Le rognier. Est-ce que tu as aimé ce qu'on a mangé? J'ai aimé juste l'eau. Pourquoi? Parce que la chair me plaît pas trop. Ah, j'ai bien aimé. Et j'ai même mangé pour mon frère et pour moi. C'était hyper bon. Non, j'ai aimé le jus. Le jus et la chair, c'était hyper bon. Bisous. Voilà le pont, ça c'est le pont de Saint-Louis. Voilà, on est arrivé à l'hôtel Dior. Ici, c'est l'accueil. Là, on est en train de transporter nos valises. On va rentrer. Suivez-nous. Allez, c'est trop content parce que c'est tout, la couverture. Et le lit est doux. Et les cinq lits. Attends, je vous montre. Attends, vous présente la chambre. Vous voulez seulement. Regarde, il y a les tours pour se reposer. Il y a les cinq chambres, donc ça c'est pour papa, ça c'est pour maman, là c'est pour Ange, c'est pour Janice, et enfin ça c'est pour moi. Et là la clim. Et la télé. La télé.
Et il y a aussi le miroir, si vous ne vous retournez pas. Et il y a la lumière. D'accord, vous regardez ici comme ça. Bon, on espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Ou entre amis, ça vaut le coup. On vient de se réveiller, on va vous montrer où est la plage, on va un peu vous montrer. Mais c'est un bon matin. On va vous réveiller à quelle heure? À 7h20. Avancez, je vais vous montrer la route. Tout à l'heure. Alors, bon, là, on va aller prendre un petit déjeuner. Ici, je pense c'est un bar. Ils sont revenus hier. Et là, on prend des photos. Il y a même une piscine. C'est incroyable. Nice. C'était comment la visite du bateau? C'était très bien. Elle a même train de boire du jus orange. Alors, tu dis, c'est quoi? Bateau pop, le nom de cet homme. Edmonton. Prochaine. Merci les enfants. Merci. Voilà derrière moi le pont Feder. On reconnaît sa forme. Il est très beau. Au restaurant La Liguerre. Oui, oui.
On est dans l'office du tourisme et on va prendre nos renseignements pour faire la balade en calèche. Voilà, la calèche arrive. Alors, bonjour. Avant tout, je vous souhaite la bienvenue à Saint-Louis. Moi, mon nom, c'est Ousmane L'Homme Tranquille et sa valise s'appelle Jean-Michel. Ah oui, aussi, vous voyez, celui-ci se divise en trois parties. Le continent qui s'appelle la Sor, la Centre de l'île et la langue des barbaries. Mais maintenant, on va faire la partie nord, après la langue des barbaries, après la partie sud. Mais après, on a eu un pont flottant. Mais ce pont-là, on a mis en place en 1897. Et aussi, on a réhabilité 2006 jusqu'à 2011. On a inauguré le 19 novembre 2011. Ah oui, là aussi, c'est la maison rose. C'est la première maison d'hôte à Saint-Louis. Hein. Et aussi, vous voyez en haut, il y a le tuyau rouge. Le tuyau rouge, là, avant ça, nous venait de Marseille. Souvent, dans le tuyau, il y a des tampons Marseille. Ah oui, et aussi, même le brique rouge, là, que vous voyez, avant ça, nous venait de Toulouse, la ville rose. Mais après, le gouverneur Fedet nous a dit que le transport, c'est trop cher. Mais maintenant, on fabrique ici, en l'autre île, qu'on appelle l'île Gopchor. Ah oui, et aussi, celui, il y a trois types de maisons. Il y a les maisons avec les balcons bois et les garde-corps fer forgé. C'est le style français. C'est ça qu'on appelle les maisons coloniales. On peut réhabiliter intérieur mais pas extérieur. Ah ouais. Et aussi avant en haut, il y a des habitats, en bas il y avait des boutiques, on faisait le commerce. Voilà, il nous a expliqué. Hein. Continue. Allez tout droit devant. 1880. On va aller à haute voix. Venez devant. Le pélican, on appelle Michael Jackson. Pourquoi? Parce que quand il est petit, il devient noir comme moi. Quand il est grand, il devient blanc. Il change de couleur. Ah ouais, c'est ça. On les appelle Michael Jackson. Oui. On a réhabilité 2012 jusqu'à 2015. Mais aussi, on a inauguré les 27 matelots. Comme dans le rue, là, il y a beaucoup de moutons. Mais les moutons, c'est le latin à garder. Parce qu'ils n'ont pas confiance à la banque. Mmh. Quand le peuple ne marche pas, c'est des moutons qui vendent de l'argent. Quand le peuple ne marche pas, on vend des moutons. Ça ressemble à des vélos et des mobilettes et je les soude. Les gens jettent ça, puis toi tu les prends? Non, les gens ne les jettent pas parce que ici c'est le Sénégal, c'est pas un pays. Le métal c'est recyclé, donc je les achète et après je les C'est très beau. Tu trouves ça comment? Il fait beaucoup de choses. Et tout ça, c'est avec quoi? Il a fait du vélo, un vélo. Les pièces du vélo. Avec toutes les pièces du vélo. Mmh. Vous voyez à quoi ressemblait un appareil photo à l'époque? Oui. C'était ça pour prendre une photo. Clap tropical. Voilà, vous pouvez lire. Erneman. La clap tropical Erneman, très bel appareil photographique. Il a dit que les photos là qui sont ici, c'est celui qui appartient au musée, c'est. Parce que sa mère est décédée à l'âge de 38 ans et à partir de ces photos, il veut expliquer
leur histoire. Et ces photos-là, ils sont de la même famille. Voilà, c'est des gens de la même famille. Oui. Il a voulu rendre hommage à sa maman. C'est là. C'est lui. C'est le jour où les ancêtres morts qui ne sont pas partis, qui ne sont pas sur la terre, qui ne sont pas morts. C'était pour mon bien de ne pas tenter de m'échapper. Que les cieux seraient terribles, tempêtes, orages et nuit. Alors je suis restée. Mais depuis quelque temps, je m'autorise à rêver. Mon nom est Malaika. Maire de Dakar de 1945 jusqu'à 1971. Jeune institut, écoute, retourne-toi. Avocat, magistrat, député aussi, président de l'Assemblée nationale du Sénégal jusqu'à sa mort en 1968. Là, vous avez sa famille, son épouse originaire de la Martinique, Kibogué, qui était son seul et unique fils. Il est décédé dans un accident. Il était aviateur. C'est petit. Cher Antadio. Tu connais Cher Antadio? Oui. Il est où sur la photo? Papa, je ne vois pas. Il est où sur la photo? Là. Si. Je ne vois pas Cher Antadio. Là. Tu ne vois pas comment ça? Cher Job, Cher Anta. C'est Cher Antadio. Tu connais? Oui, son nom. Hmm? Lui aussi. Lui. C'est K. Cabral. De la Guinée? Bissau. Ok. Alors ici, vous avez les présidents du Sénégal. Alors, vous connaissez? Oui, le premier président du Sénégal, c'est Léopold Sédar Senghor. Après, c'est Abdou Diouf. Après, c'est Abdoulaye Wade. Le président Macky Sall qui a remplacé Abdoulaye Wade.